Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors, installez-vous confortablement. Je vous présente un nouveau gobo. Comme d'habitude, c'est vendu par Tonka aux États-Unis et par Bandai pour le reste du monde. Or, chez nous, c'est connu comme étant des gobos, mais c'est également connu sous le nom de robot machine ou machine robot. Il porte le numéro 16 et bien entendu, suite à une longue réflexion dans les locaux de Bandai. En voilà le dernier modèle. Faut juste lui trouver un nom. Ok, et il se transforme en quoi? Ah, il se transforme en scooter. Et ben voilà, t'as trouvé le nom. On n'a qu'à l'appeler scooter. On lui a trouvé son petit nom, qui n'est autre que scooter. Ah, évidemment, scooter, comme son nom l'indique, ben, se transforme en scooter. Voilà. Alors, il fait partie des gardiens. Alors, pour la petite histoire, avant le dessin animé, qui est connu chez nous sous le nom de Défi des Gobos, ou alors Challenge of the Gobot en VO, eh ben, il était censé être un renégat. Puis bon, au moment du dessin animé, bah, il a changé, puis du coup, il est paru en tant que gardien. Alors, ce petit robot, c'est l'inventeur des gardiens. C'est plutôt un genre de. Un gros froussard, en fait, qui préfère se concentrer sur ses inventions, voilà, sur la science, plutôt que de combattre. D'ailleurs, il n'est même pas équipé de blaster, mais il est équipé d'un projecteur d'hologramme, qui est bien pratique hein, dans son cas. Hein. Parce que ce projecteur bah, lui permet soit de créer une illusion d'un objet pour se planquer derrière, soit de projeter son image plus loin pour faire croire à ses ennemis, bah, donc au renégat, qu'il est ailleurs et pouvoir se barrer en douce. Hein. Alors il fait équipe avec un jeune humain du nom de Nathan Simpson. Qui en fait, lui, c'est carrément le contraire au niveau caractère. Il est plutôt audacieux et bah, il faut souvent qu'il force Scooter à se battre et donc aller contre sa nature. Et Scooter, bah, il a participé à la création et fera même partie du Power Suite. Power Suite, bon, punaise, mon anglais est pourri. Merci. Une espèce de combinaison qui allie plusieurs gobos pour former un robot géant en fait. Alors le jouet bon commercialisé donc par Tonka et Bandai à partir de 1983 et ça jusqu'à la fin de la licence des gobos. Alors ce qui est marrant c'est voilà c'est par rapport à la taille du jouet quoi. Scooter c'est l'un des plus petits robots de la série. Et pourtant, quand on voit, alors je vais faire un comparatif de taille rapide, voilà, avec celui que je vous ai présenté la dernière fois, Gipper Creeper. Voilà. Niveau taille, c'est génial. On a un scooter qui est plus gros que la Jeep. Et pourtant, ils sont vendus tous les deux comme étant des gobos standards, quoi. Ça collerait peut-être plus niveau de la taille. Encore que, hein, faut le dire vite, voilà, par rapport à un DX. Hein. Mais bon, le scooter. Voilà. C'est. Voilà. C'est. En gros, c'est comme pour les Transformers. Hein, les tailles, on va oublier. Hein. C'est plutôt sympa comme engin quand même. Hein. Bon, déjà, on reconnaît bien le petit scooter des années 80 avec ses formes plutôt carrées. On voit pas trop le robot là-dedans, hein, enfin même quasiment pas. Hein. Voilà, en dessous, voilà, y a rien qui dépasse, voilà, y a rien qui pourrait laisser vraiment suggérer qu'il y a un robot caché là-dedans. Alors contrairement à l'animé où en fait, bah, on voit en permanence en fait sa tête à ce niveau-là. Voilà, le jouet, lui, bah, la tête disparaît. Et du coup, il est vraiment, ben, vraiment bien camouflé. Hein. Alors la transfo de ce petit scooter,
est légèrement différente sur le jouet par rapport à ce qu'on peut voir dans l'anime. Mais ça reste plutôt fun. Donc on va commencer simplement, comme pour tous les gobos évidemment, rapide. Voilà, on va décrocher ici. Donc on a un petit ergot qui maintient ici. On a un ball joint en métal. Voilà, on va écarter ici. On va faire pareil de ce côté-là. On va venir à ce niveau-là. On soulève à l'arrière. Et on étire pour former les jambes. On va venir ici. Système de glissière, on va rabattre. On va rabattre ce panneau de cette manière-là. On va venir prendre ça, basquer les bras en fait, les retourner simplement de cette manière-là. Et on appuie à l'arrière sur la roue pour sortir la tête. Alors ce que je n'ai pas précisé en mode scooter, bon, il y a une fausse roue à l'arrière, une vraie roue à l'avant qui tourne. Alors du coup, il roule pas bien. Mais bon, voilà notre scooter en mode robot. Alors là, pour le coup, voilà, c'est très fidèle à l'animé. Hein. On reconnaît bien, voilà, tout scooter. Hein, les petites barres ici, voilà. Le torse, les bras, voilà, la tête. Il a toujours eu une tête un peu bizarre. Hein. Encore que le jouet, lui, il a un nez. Hein. Dans l'animé, j'ai jamais compris ce qu'ils ont fait, une espèce de truc avec deux narines, là. Je sais pas ce que c'est. Hein. Et voilà donc notre petit scooter en mode robot. Alors, comme je l'ai dit, c'est censé être le plus petit de la bande. Alors, je vais faire rapidement un comparatif, voilà, avec Leader. Dans le dessin animé, il est censé lui arriver à peu près au niveau de la taille. Là, il fait carrément une tête de plus. Comme quoi, les proportions dans les gobos, c'est vraiment tout sauf respecté. Alors, point de vue des articulations, évidemment, gobo oblige. On a le bras, on peut lever. Alors, ce qui est bien, c'est comme il y a la transfo, on a un ball joint qui permet carrément de faire tourner le bras complet. On peut le lever entièrement. On peut passer le bras en avant. Bon, il n'y a pas de coude par contre. La tête est fixe. Si éventuellement à cause de la transfo, voilà, il peut se cacher. Du point de vue des jambes, donc on a un genou. Alors qui peut aller jusque derrière. Et ça va s'arrêter à ça. Voilà donc le petit robot machine ou machine robot ou gobo donc, qui porte le numéro 16 dans la gamme Bandai Tonka, donc scooter. Et comme pour Gipper Creeper, évidemment, la transfo inverse est extrêmement simple. Voilà, elle se fait très rapidement. Il suffit pour cela de tout remettre en place. Voilà. Et nous avons donc notre petit scooter de retransformer. Bon écoutez, j'espère que la revue vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à vous lâcher dans les coms et à me dire ce que vous pensez de ce petit gobo que je trouve perso fort sympathique.
N'oubliez pas de faire de l'autostop, hein, en levant votre petit pouce. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a des boutons en dessous là, un petit bouton abonnement et une cloche. Il suffit de cliquer dessus, hein, pour voir la suite. Hein. Et puis, ben, ma foi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!